j'en passe. Sur une autre occasion. Monsieur le Président, cette introduction d'aujourd'hui est si particulière pour moi, puisque depuis 10 ans, vous êtes hors de la Côte d'Ivoire, vous en êtes revenu, mais depuis 10 ans, votre dimension d'homme d'État a pris du volume. Vous êtes maintenant mondialement connu. Et c'est à juste titre que je voudrais, Monsieur le Président, revenir sur deux de vos citations qui, pour moi, sont comme intemporelles. La première, dans une dimension un peu plus spirituelle, vous dites, et je cite, « Le temps est l'autre nom de Dieu ». Récemment, à Mama, vous avez encore donné une phrase qui a plu à l'assistance. Vous avez dit ceci. Je suis devenu un instrument de combat. Et cet instrument de combat-là, sachez vous en servir. Amen. Fin de citation. Vous êtes devant la communauté évangélique qui plus ou moins comprend le sens du combat spirituel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant votre prise de parole, le groupe musical que voici, le groupe musical Chandelier, vous est produit dans un cantique intitulé « Je ne combats pas pour la victoire, mais je combats dans la victoire ». Quel que soit leur nombre, ma vie.
Excellences, Monsieur le Président, vous avez le pupitre pour nous dire ce que le Seigneur a à votre cœur pour la communauté des évangéliques. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, pour la prise de parole du président Laurent Gbagbo. J'ai été arrêté.
En avril 2011, certaines personnes pas trop ont estimé qu'il fallait attaquer et décimer les évangéliques. Parce que j'étais leur fruit et ils étaient ma part, donc il fallait les attaquer. Alors il y a un de vilains propos qui ont été tenus. Mais ces propos-là ont été suivis de plein de faits mauvais. Il y a quelques personnes qui ont été tuées. Il y a des églises qui ont été vandalisées. Même celle-ci, et des églises sur lesquelles on a tiré des balles, rien. Au nom de ceux qui ont fait ça, je voudrais dire pardon à toute l'église évangélique. De faire comme Jésus, de pardonner, non pas seulement en parole, mais dans les faits. Quand Jésus était dans le jardin où on est venu l'arrêter, Pierre, le fougueux, a coupé l'oreille d'un des soldats. Mais Jésus l'a sermonné. Jésus n'est pas ressuscité.
définition qui vaille du christianisme, c'est ça. On est chrétien parce qu'on croit que Dieu est. Dieu peut l'homme. A été jugé, crucifié, est mort sur la croix, a été enterré et est ressuscité le troisième jour. Mais Jésus pouvait éviter ça, comme il a vous le dit. Du pasteur Dieu en fait.
parce qu'il prêchait bien devant la communauté des exilés ivoiriens. Moi, il était en Bruxelles. Donc, je l'écoutais. Mais toutes ces méchancetés sont indiquées. Et moi, mon pasteur, avec qui j'avais l'habitude de prier, j'ai eu au téléphone une fois, il m'a dit, ah, président, l'église est rentrée à point d'infinité. L'église est rentrée dans la point d'infinité. En Côte d'Ivoire, avant moi, je me cherche pour qu'on aille ici. Vous voyez? Mais ça vous rappelle rien, ça? Moi, ça me rappelle l'évangile. Ça me rappelle les premiers moments de la chrétienté. Avant que Jésus ne se manifeste puissamment le jour de la Pentecôte. Mais les disciples, ils étaient pourchassés. Allons sur celui qui osait dire que cet homme venu de Galilée, qu'on a tué, est ressuscité. Allons. Même Pierre avait fui. Même Pierre. Le beau-père de Jésus, Pierre. On dit, mais toi, tu étais avec lui, dis-moi. Je vais voir où. Qui vous a dit ça? Quand vous voulez gâter les mains de gens. Mais Pierre, c'est Pierre.
maison est fermée. Les gens sont dedans. Ils voient Jésus apparaître. Il dit, mes frères, je suis avec vous jusqu'à l'éternité. Amen. Venez voir avec mes mains les signes de ma blessure. Venez voir. Les fruits de la hanche qui m'a percé. C'est ça qu'il faut appeler. Il est comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais quand ils sont comme ça, donnez-leur les preuves. Ne les renvoyez pas maître. Jésus a su que son Pierre est comme ça. Mais il sait que s'il lui donne les preuves, Pierre ne peut pas s'arrêter. Pierre va aller sur Pâques à travers le monde. Donc il lui a donné les preuves pour que Pierre aille sur Pâques. Quand vous croyez en quelque chose, celui qui est un peu tiède, s'il a besoin de preuves, donnez-lui des preuves. Parce qu'il y a toujours des preuves à donner. Donnez-lui des preuves. Donnez-lui les moyens pour qu'il se décède. Et puis donnez-lui un port. Parce que Jésus a vu que Pierre est Pierre, mais Pierre n'est qu'un pêcheur, un lanceur de filet vers la lagune. Parce que pour ceux qui n'ont pas été en Israël, j'ai essayé d'aider ceux qui pouvaient y aller. Le président sont allés, mais Jésus, quand il est monté au ciel et qu'il a vu que Pierre a tout compris, mais qu'il n'a pas trop les moyens intellectuel de se battre, il est allé voir Paul. Paul, qui était un écrivain, Paul, qui était un tueur de chrétiens, je lui l'ai appris.
région d'Afrique aujourd'hui, des régions musulmanes. Tout. Même l'Algérie de Saint-Augustin, c'est le musulman. Tout. Même je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ça, c'est au 4e siècle. Quand l'empereur, comment il s'appelle, l'empereur Constantin est devenu chrétien, il a convoqué le concile de Nicée, il a convoqué tous les évêques, il était là, il était à Jésus. Il dit, vos discussions, si Jésus est Dieu, ne tenez pas Dieu sur la partie. Je vais préciser, je suis assis là. Et écrivez-moi un texte pour dire que Jésus est Dieu. Ainsi dit, un poème devenu chrétien il y a quelques jours. Il dit écrivez ça. Et c'est le compte rendu de la réunion de ce qui est la prière de je crois à Dieu. Le Père Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Et je crois en Jésus. Ils ont gagné la guerre et il a tenu parole.
que les gens qui sont des lentilles, mais qui ne sont pas des rangs même, lui il était turc. Vous avez. D'où Constantinople, qui a construit cette église, tout ça. L'église celle-ci, la basilique celle-ci, tout à fait, qui a été construite. Et ils ont sorti le texte fondateur, le texte qui a mis fin à tout le débat sur la nature de Jésus. C'est pour l'entendre. Avec le jeune, il a rassemblé. Donc voilà. Voilà, quand les choses se passent et qu'elles sont vouées, nous pleurons parce que nous ne savons pas ce que va la réplication. Et l'explication est bonne. Nous ne savons pas qu'il y aura une explication bonne. Donc, quand on m'a arrêté, on ne savait pas qu'il y aurait une explication bonne. Mais je vous remercie. Je vous remercie pour vos prières. Je vous remercie pour vos prières. Les prières. Les gens croient que les prières, c'est des paroles simples. C'est pas des paroles simples. C'est pas des paroles simples. Il y en a qui disent oui, mais ça là. Guérilla interreligieuse.
Parce qu'il y a des gens comme toi. Vous avez été
vous avez fait de moi un pied de ce embrassique, de cela. Oui, c'est Jésus-Christ, c'est vraiment le mot que Jésus a croisé. C'est il y en a qui ont choisi Jésus. Mais lui, c'est Jésus qui a choisi. Laisse te filer. Maintenant, tu as péché de toi. Oui, c'est Jésus qui a choisi. Et quand je suis allé à Rome, à la basilique Saint-Pierre de Rome, parce que le Vatican, c'était le nom d'un endroit, c'était pas le nom de ce qu'on fait aujourd'hui, c'était pas le nom de la cité du pape, non. C'était à Rome le nom d'un endroit, une colline, qu'on appelait la colline du Vatican. Et quand Néron est arrivé au pouvoir et qu'il a décidé de tuer les chrétiens, c'est à cet endroit-là qu'il les a tués, sur la colline. La fameuse croix inversée de pierre, c'était sur la colline du Vatican. Donc, quand plus tard, Constantin Ier est venu, comme lui n'avait pas envie de rester à Rome, lui c'est pas un Romain, il avait envie de gouverner l'Empire romain à partir de la Turquie chez lui. Donc, il s'est bâti des cités là-bas, où il vivait. Il a donné le Vatican, le lieu, aux chrétiens, et leur a donné l'argent pour se construire une cité. Mais quand tu rentres dans la basilique cité, ce qui est frappant, le tombeau descend, le tombeau de pierre est là. Je dis oui, Dieu sait faire les choses. Voilà un petit pécheur de Galilée. Lui, il fait son filet. Comme les épreuves, comme les épreuves qu'on voit ici. Il fait son petit filet, il fait. Voilà ce qui est venu devenir. Le socle, le pilier d'une religion. Pasteur Dion, je te prie d'être le socle et le pilier des évangiles. Que Dieu vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci. Nous acclamons
l'éternel Dieu, Dieu fort pour cette prise de parole du président Laurent Gbagbo. Voilà. On accorde puissamment l'éternel notre Dieu. Nous allons finir très bientôt. Sur ce, le révérend docteur Dion, il vous revient d'intervenir. Vous êtes une icône de l'évangile en Côte d'Ivoire, vous êtes un homme de médias. Vous avez mis sur pied ici en Côte d'Ivoire un groupe de médias, la radio diffusion du Dieu Chandelier. On aimerait saluer également tous les confrères de la radio et de la Dieu Chandelier. Vous pourrez écouter ce média ou ce qui est de la radio sur les 99.8 et la télé sur Intelsat. Que Dieu vous bénisse. Il revient maintenant au révérend docteur. Je reviens au docteur Dion maintenant d'intervenir. Nous allons le recevoir. Gloire à Jésus. Amen. Excellence, Monsieur le Président, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous et toute la délégation qui nous accompagne. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous êtes vraiment dans la joie? Amen. Thank you.
tête ici. Ici aussi. Les deux côtés. Pour dégager l'espace. Voilà. Voilà. Il y a un pas ici, un pas là. Il y en a en haut et il y en a dehors. En tout cas, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui sont reconnaissants à ce que Dieu a fait. Dieu est esprit, mais il se sert de nous pour soutenir des sujets. Ceux qui aiment Babou Laurent. Il faut ajouter Koudou Babou Laurent. Parce que j'ai ma petite fille. Elle a 7 ans, 8 ans, toujours dit Koudou Babou Laurent. Elle prie. Tous ceux qui aiment cet après-midi, Koudou Babou Laurent, ils veulent l'aider pour ses déplacements. Il y a beaucoup à faire. Ses déplacements, il a mis en place un instrument de combat. Mais il n'a pas les moyens. Ce sont ses frères, ce sont ses fils, ce sont ses filles, des petits-fils et des petites-filles qui peuvent l'aider. Et c'est l'occasion bien indiquée pour le faire. Donc vous allez préparer une offrande d'amour et je vais demander à Onel Mala. Onel, il va nous chanter Dieu est bon. Et il faut le chanter en zouglou. Vous aimez ça?